Mais combien ces casques vendus à des prix exorbitants coûtent-ils à produire? La marque au petit B se garde bien de livrer ce genre d'informations. La seule indication se trouve dans le quotidien américain, le New York Times. Dans cet article, le journaliste l'affirme. Les designers estiment que les coûts de fabrication d'un casque vendu 200$, soit 150€, seraient seulement de 14$, soit 10€. Une marge colossale. Mais alors ces casques valent-ils vraiment la somme investie? Et en termes de son, la promesse est-elle réellement tenue? Pour le savoir, nous avons demandé l'avis de deux spécialistes. Olivier Bas est directeur artistique. Marie est ingénieure du son pour un site qui teste les produits Hi-Fi. Nous leur avons soumis un casque de la marque au petit B, présenté comme un des meilleurs de la gamme et vendu 200€. Olivier Bas va faire un test à l'aveugle. Il ne connaît pas la marque du casque posé sur ses oreilles, mais à première vue, il ne le trouve pas très subtil. C'est un polo. Marie pose le même casque sur un mannequin équipé de capteurs électroniques qui vont lui permettre de mesurer sa sensibilité de manière scientifique. Je pense que le son va être super étouffé, il y a beaucoup de basses. Et cette courbe traduit la sensibilité du casque, c'est-à-dire la qualité de restitution de tous les sons qui composent un morceau de musique. Dans la partie gauche, ce sont les basses, c'est-à-dire les sons graves. Au milieu de la courbe, les sons médiums pour les voix. Et à droite, ce sont les sons aigus. Et les analyses de Marie confirment le jugement d'Olivier. Regardez, ici à gauche, la courbe des graves domine largement les autres sons. Résultat, dans ce casque, les sons graves vont prendre le dessus sur les autres. Première impression, il va y avoir un son chaleureux, pas trop aigu, pas douloureux pour les oreilles, mais des basses pas assez percutantes, pas assez punchy, pas assez précises et qui vont baver un peu sur la... qui vont pas bien tenir en fait, sur la longueur du son. Des basses pas assez précises, voilà ce que cela signifie. Alors qu'à l'écoute, le morceau original donne ça. Dans ce casque, lorsque l'on met le son au même volume, cela donne ça. Non, c'est pas les bûcherons, quoi. C'est vraiment le... C'est donc un casque, à mon avis, beaucoup plus pour des trucs qui cognent, quoi. C'est fait pour entendre les infrabasses, c'est fait pour... Je pense que c'est pas la peine d'écouter Léo Ferré avec ce casque-là, ça donnera pas une dimension absolument étonnante. La qualité sonore de l'avis de nos professionnels laisse donc un peu à désirer. Mais ce casque est-il pour autant moins bon que les autres? Une enquête a récemment été réalisée sur 14 marques différentes présentes sur le marché. Qualité du son, confort et prix, tous ces critères ont été pris en compte et voilà le résultat. Celui que nous avons testé, vendu 200€, arrive tout de même en 5e position. Mais plus incroyable, le casque qui arrive en tête de liste est l'un des moins chers du marché, 50€. Il coûte donc 4 fois moins cher que celui de Dr. Dre. De manière générale, cette enquête révèle donc que le prix est loin d'être gage de qualité. Et pourtant, le business des casques ne s'est jamais aussi bien porté. Les fabricants estiment que cette année, près de 10 millions s'en vendront en France.